Pour moi, fais tes preuves et dispositif de l'homme pas vivant, c'est illégal. Mais dispositif de l'homme pas vivant, c'est illégal sur un tueur qui fait beaucoup de hooks, sur un tueur qui sait pas jouer et qui va pas faire beaucoup de hooks, ça lui servira à rien, tu vois. Un tueur qui sait jouer et tout et qui fait beaucoup de hooks, c'est tellement puissant. C'est un docteur. Sérieux, ça existe encore? Moi, je suis choqué. C'est le docteur Hannibal. Putain, ça existe encore, les docteurs. Je trouve que toi et Varg, vous êtes tous, tout de même, les streamers de BD francophones qui sont à même d'être les plus suivis pour l'ambiance et votre bonne communauté dans le chat. Oh bah écoute, oui, c'est très gentil, mais tu sais, ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire, mais c'est gentil, en tout cas, de penser à un truc aussi mignon. Merci à toi, oui. Très agréable. Être tueur quand tu tombes sur les survivants forts, je pense que c'est pour devenir fou. Ah bah, en survivant, c'est pareil, quand tu tombes contre des tueurs plus forts, hein, tu deviens fou après. Plus que 100 000 éclats et 1 million. Ouais, un peu moins de 100 000. 92 000 pardon, pour être précis. 92 000 éclairisés et j'aurai les 1 million. Ça me sert à rien mais c'est beau. Ah ça fait stylé quand même. Coucou So, salut Piouche. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Petite péripétie au genou mais rien de grave. Ah toi aussi tu es allé commander un kebab. T'es allé chercher le kebab et tu t'es froissé le genou en tombant. Ah parce que Poc c'est sa spécialité. Hein. Dès qu'elle commande kebab elle se froisse le genou. T'imagines tout ce que tu pourrais avoir avec tes éclairisés, skin et tout? Ouais, mais bon, c'est déjà tout ce qu'il me faut. Pas besoin de plus. Partage tes éclats, sinon ça va barder. Ouais? Non, c'est mort. De toute façon, on peut même pas, donc même si on pourrait, je le ferai pas. Tu vois, docteur, quand même, c'est pas la même. Mais docteur, sur cette map, c'est vraiment trop chiant. Pour lui, hein, pas pour les survivants. Le docteur sur ces... Ah merde, mais putain, ça faisait une heure que je cherchais, je comprenais pas où il était. Docteur sur cette map c'est trop chiant pour lui parce que c'est une map ouverte. Donc du coup tu le vois arriver tout le temps. Ah non. Tu le vois arriver tout le temps tu vois. Non. Ça c'est un 360. Ça ce n'est pas un 360. Je préfère le rappeler. Pour que vous sachiez. Par contre il a pas l'air d'utiliser son pouvoir. Je crois que c'est un docteur qui avait rage kit hier. S'il a le même pantalon, la même tête. Ok, je me suis un peu bloqué fenêtre, mais c'est good. On va prendre... Ah, on est bien, là. Casse le totem, on est bien. J'ai envie de m'arrêter comme ça, tu vois, pour le provoquer. Ça, c'est du provocage. Je suis un provocateur. T'aurais pu tenter le 8, hein, ça passait large. Il a pas déboussolé, je crois. Ah, si. Et pourtant, il le passe pas plus vite. C'est marrant, ça, il passe pas plus vite. Oh, la protection divine. Oh, là, magnifique, ça. Moi j'avais mon dédard et tout, j'avais prévu le coup tu vois, mais la protection j'avoue que je m'attendais pas, c'est bien joué. Ça c'est bien joué de la part de Roib, bon plays. Bon plays. Voilà on va sauter. Nickel, lui il prend la fenêtre, de toute façon il prendra toujours les fenêtres vu qu'il a déboussolé. Saut toujours aussi chaud, oh, je suis pas chaud. Hein. Tu vois je fais ça exprès pour qu'il pense pouvoir me baiser mais c'est le timer, il va taper la fenêtre tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un move exprès pour pas qu'il fasse de demi-tour. Parce que s'il fait un demi-tour, potentiellement, il peut me brain. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il peut pas me brain. Ah si, pardon, j'ai rien dit. J'ai rien dit, il avait déboussolé. J'ai encore oublié qu'il avait déboussolé. Je suis vraiment éclaté au sol. Hein. C'est un truc de ouf. Oh, il a bien attendu, bien joué. Pas bien joué, ça sert à rien, mais c'était marrant. Il m'a lâché, je crois. Ah non. Yo, Palters, comment vas-tu? C'est la fin. Je crois qu'il est déterminé sur ma tête. Il doit pas aimer les casquettes à l'envers. Il a raison. Casquette à l'envers, c'est toxique. J'ai une casquette à l'envers, c'est toxique. Bon bah c'est rare les tueurs qui te suivent. Bon lui il me suit, c'est cool. Sympa. Sympa, j'aime bien. Il est cool. Il fait plaisir. Là je vais baisser la palette en avant sinon je suis dead. Oh j'aurais dû baisser un poil plus tard. Il tente plus son pouvoir. Je sais pas pourquoi. Ah c'est bon il m'a lâché. Hey, je suis derrière toi frérot. Là voilà. Ok, franchement il est sympa. Hein. Il veut chase, hein. Y a pas de souci, moi j'accepte. Ok, mais il est déterminé dans la détermination, hein. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu un mec aussi déterminé, mais dans la souplesse de la détermination. C'est-à-dire que là il est souple dans ses gestes. T'as vu quand il marche, comme il est souple. Regardez comme il est souple. Je le sens pas trop énervé, tu vois. Je le sens plutôt dans la souplesse. C'est marrant, j'apprécie. Lui c'est quelqu'un, tu vois, je sais pas, tous les matins il fait des squats. C'est sûr. Parce qu'il est tout souple dans ses mouvements, tu vois, de type mouvementé. Je le trouve souple en tout cas. Ok, je crois qu'il faut que je fasse gaffe parce que là il va faire full tout droit. Ouais, full tout droit, il a raison. C'est comme ça qu'on joue aux jeux vidéo. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on est un bot, le pauvre. C'est comme ça qu'on devient un bot. Ok, je crois que je suis dans la D là, j'ai plus grand chose.
Ah, je me suis coincé, donc ça risque d'être plus grave que ce que je pensais. Bon, voilà, j'attends une protection d'un mate. Dommage. Dommage. Ah, mais il y a ruine. Ok. Ok, oh la petite c'est flash. Ah, bah là, il y a moyen. Ah, vous êtes deux. Oh là 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 là. Il y a peut-être résistance à la lumière. Il va mettre à la cave, j'ai bien mérité. C'est good. J'ai mérité. C'est good. J'ai méritationné, frérot. Ah, il va tenter body block jusqu'au bout du bout, mais je pense qu'il pourra pas. Hein. Pas grave, c'est pas grave, t'inquiète. Salut, Bobo, ça va et toi? Allez, Noed. Oh. Oh, 3-6. Ah, il est terminé sur mon cul. Hein. Il veut ma casquette à l'envers. Je pense que ma casquette à l'envers ne lui plaît pas. Il a le droit, hein. À un moment donné, il a le droit de pas aimer. Hein. Il a le droit de pas aimer la casquette à l'envers. Hein. J'adore ce docteur. Je sais pas pourquoi. Je le sens tellement humain dans son esprit, tu vois. Dans tout ce qu'il fait, tout dans son application dentaire. Surtout l'application dentaire, en fait. Je trouve qu'il a quelque chose hors du commun. Je sais pas, sa dentition, elle est plus évolutive que les autres. Je sais pas. Je serais pas déterminé pourquoi, mais je sais pas, je l'aime bien. Son pantalon rouge me fait de l'effet. Le rouge, c'est un peu la couleur de l'amour, tu vois. Ça me fait beaucoup d'effet. Je pense que c'est ça, en fait. Son pantalon me fait beaucoup d'effet. Oh, il a tendu de ouf. Hein. On va faire semblant d'aller là. Ok, on va revenir là. Et normalement, je suis die. Hein. Si mes calculs sont exacts, je suis die. Il a bloqué. Et du coup, la porte, je crois que les deux sont de l'autre côté. Je crois pas qu'elle soit là. Donc, je vais devoir retourner là-bas, en fait. Les portes sont pas ici, il me semble. Bah, je crois que j'ai même pas le temps de baisser la palette. Hein. Ah, mais il fait zéro près, lui, il casse tout. Hein. Dès qu'il doit casser, il casse, hein. Il s'en fout complet, quoi. C'est marrant. Salut Titi, comment tu vas? Les games sont bien? Bah écoute, cette game elle est très bien pour moi parce que le mec il veut que mon huc. Donc je t'avoue que ça m'arrange. Je t'avoue que ça m'arrange un poil. Il veut que mon cul, donc let's go. Pour remonter parce que la porte est là-bas en fait. Les deux portes sont du même endroit, du même côté, donc faut que je remonte. Nanana. Ok, là il y a moyen de le bloquer. Ah, bien joué, ça c'est beau jeu. C'est bien joué ça. On dirait vraiment un bot, hein. Dès qu'il y a une palette, il casse la palette, il fait pas de demi-tour. C'est assez étrange comme gameplay quand même. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre quand même. C'est assez bizarre. Salut FireEz. Toi, je viens de voir un streamer, il m'a dit que tu étais quelqu'un d'adorable. Ah bah merci à lui, et merci à toi, et merci à vous, et merci à tout le monde, hein. Ça fait plaisir, ça c'est gentil. Lui, il est team casque à l'endroit, tu penses? Bah c'est vrai moi, qu'on aurait dit un robot, comme s'il était contrôlé par un ordinateur. Tu vois, le titre de la vidéo, ça peut être « J'affronte un robot ». Ce tueur est un robot, tu vois, parce que franchement, c'est bizarre. Il cassait toutes les palettes. Et il s'en foutait du brain. C'est tout droit, casser palette. Tout droit, casser palette. Tout droit, casser palette. On dirait vraiment que c'est un bot configuré, quoi. C'est pas méchant, hein. C'est une constatation pure de la réalité du jeu. Il avait résistance à la lumière. Hein. Il avait prévu le coup. Il avait prévu le coup, le petit. Bon, bah, GG Wallplay. Hein. C'est ce qu'on peut appeler une game pas équilibrée. Une game complètement déséquilibrée. Pauvre tueur qui aurait jamais dû tomber avec nous.